Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour normalement une petite suite de vidéos, on va dire. Je profite un petit peu de filmer la lumière loin d'être pourrie, il y a du soleil même s'il fait pas très chaud. Donc voilà, j'ai mal à la tête, mais on fait avec quoi, voilà. Parce que j'ai un gros haul à vous montrer, des petites nouveautés, des petits bons plans, etc. etc. Bon, malheureusement, il y a des choses qui ont déjà quelques semaines, donc je suis même pas sûre que vous pourrez encore en profiter, mais on sait jamais, ou pour venir au courant, ou pour après. Je sais pas trop. Je vais commencer à ce que j'ai pris vite fait ce matin, en allant faire 2-3 courses. J'ai acheté pardon, un magazine, c'est le magazine déjà pour mai 2017, un magazine néerlandophone. Bah oui, je comprends vraiment que très peu, mais enfin bon, je vais même pas prononcer, ça va être une catastrophe. C'est ce magazine-ci, voilà. Et pourquoi je l'ai pris? Bah tout simplement parce que il y avait une box offerte avec la box était à 6,90€, ouais, au lieu de 60€. Et donc en tout avec le magazine ça me faisait 11,30€. Donc voilà, c'est un magazine quand même assez épais, hein. Voilà, au départ j'avais pris les deux qu'il y avait et je me suis dit abuse pas si en prime ce sont les mêmes produits, ça fait lourd. Donc j'en ai pris un seul et c'est une jolie petite box. Et en fait ben, j'avais pas vu. Et déjà à l'arrière, quand on déballe du paquet, bah, c'est une box Duty. Voilà, ça vient de Duty. Il y a quelques années maintenant, ouais. Après, j'en ai plus revu. Bon, en même temps, du côté Wallonie, on ne voit pas forcément, enfin, je veux dire, pure Wallonie, on ne voit pas forcément énormément de magazines néerlandophones. Donc, je ne pouvais pas avoir tout le temps, mais il y a quelques années, j'avais déjà acheté le magazine avec une énorme box. Franchement, presque 3 fois comme celle-ci. Avec tous les petits trucs dedans, certains petits produits, échantillons, etc. Et là, je ne sais plus du tout, je crois qu'elle était payante également. Franchement, moi, j'aime bien ce genre de choses aussi. Et il y a quelques années également, pour celles qui se souviennent peut-être, le magazine Top Santé faisait pareil. J'en ai eu 2-3. Je ne sais pas si c'était pas à chaque fois en été, une période bien spécifique, je ne me rappelle plus. C'était une énorme box également, qui faisait minimum toute la taille du magazine, et bien épaisse, avec plein de choses dedans, et je crois que chez Top Santé, elle était carrément offerte. Elle était carrément gratuite, celle-là. Et bah, il y avait des petits produits dedans, des miniatures, des échantillons, franchement, c'était sympa. Top Santé, pourquoi tu ne fais plus ça? Bref, ouvrons. Donc voilà, c'est comme ceci à l'intérieur. Ça n'a pas une odeur particulière. Alors donc on a quand même, bah, comme à son habitude chez Duty, hein, le petit menu. On a, parce que maintenant, enfin depuis un moment déjà, mais je sais pas vous dire depuis combien de temps, on a un petit pochon avec, voilà. Hop, j'ai bon, évidemment je ne comprends absolument pas. Enfin, j'ai pour commander le magazine. Et j'ai un truc gratuit, une poêle, on dirait. Ouais. Donc voilà, c'est pour commander hein, les abonnements au magazine. Alors, dans la box, j'ai reçu un masque Hydra Bomb de chez Garnier. Hein, les masques comme ceci. Donc ici, c'est le nord, enfin le normal. Le bleu, hein, le basique, celui qui est sorti en premier. J'ai. Alors ça, bah, je l'avais déjà reçu gentiment. Ah, c'est cool, c'est même pas en français. Enfin, c'est même pas en français, c'est Elvive qui l'est noté. Alors, moi, je crois qu'il était noté Elsève quand même. Malgré que c'était pas. Bref, on s'en fiche. Donc, c'est la. L'huile en crème, comme ça, de. Enfin, l'extraordinaire. Huile, j'en perds mes mots. Ça, j'essaie de comprendre tout ce qui est écrit dessus parce que je me rappelle même plus moi-même en français. De ce qui est noté, bref, donc c'est pour faire briller les cheveux, etc. Et, bah, c'est sympa, c'est le full size. J'ai reçu aussi la marque Qeshi. Voilà, c'est Nutrix Caviar. C'est un contour des yeux caviar. 30 ml. Et
Bah, c'est pas mal. Parce que je crois que le truc, il coûte une vingtaine d'euros, ça. Et je ne connaissais absolument pas la marque avant. Ah, voilà. Ce bazar, à ce bazar, à ce petit produit coûte 26,50 €. Tout va bien, hein, vas-y la faire. J'ai eu un format voyage 90 ml de shampoing Head & Shoulders, le classique. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Ça fait des années que j'ai pu tester ces produits. J'ai un petit vernis Essie qui est le 470. Une espèce, voilà, de rose comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Les Essie coûtent 12, 11, 11 ou 13 €. Je ne sais plus, quelque chose du style, hein. Bref. J'ai reçu une petite crème pour les mains. Non, ça c'est un 20 ml. Millilitres, là. Bref. Ça va durer 3 plombes là parce que je m'y sors. Ah, je m'en sors absolument pas. Ah, apparemment, le vernis ici coûte 12,49 €. Et la crème, elle coûte 8 €. Ouais. Voilà, la crème, elle coûte 8 €. C'est une crème pour les mains au karité. 30 ouais, millilitres. Hop. Je croyais que c'était l'Occitane en fait, parce qu'elle était comme ça dans la boîte à l'arrière. Et c'est le format aussi des crèmes, l'Occitane. Mais non, ce n'est pas ça. Et pour terminer, apparemment, c'est un nettoyant pour tout type de peau. Parce que il y a un passage en français, c'est ça qui est bien. Enfin, j'ai juste lu le gros titre. Ce nettoyant à base d'huile est un aimant à impureté. Voilà, il efface le maquillage waterproof, etc. Et ça, je ne sais pas combien il coûte, mais en tout cas, en full size de 100 ml, il coûte 31,95 €. Donc voilà, c'est la marque Ren Pharma. Donc, c'est bien des produits que je ne connaissais pas. Pour le reste, bah, ça fait toujours plaisir, hein, à ce prix-là. Pourquoi pas? J'ai été chez Zigzag parce que j'ai un Zigzag près de chez moi. Et j'ai pris un petit savon. Parce qu'il sent quand même super bon. Et si j'ai pas posé la question, c'est vrai que je ne le sens pas autour, mais je verrai bien. Franchement, ça sent super bon. Donc, ce sont aux purs végétales. Ah, et c'est au noyau d'abricot. Je me suis dit, tiens, parce qu'on voit des petites graines dedans, des petits grains. Est-ce que ce serait gommant? Bonne question. On verra bien. Je sais pas, j'ai totalement zappé de demander. J'ai oublié dans le magazine néerlandophone aussi, j'ai également une petite carte cadeau de 2 x 10 € pour les box HelloFresh. C'est sympa, au final, c'est bien rentabilisé. J'ai acheté. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ils te le mettent même pas en français. J'ai des écritures arabes, machin, en anglais. Hein. Maintenant, on me fout de l'arabe, mais je l'ai même pas en français. C'est génial. Je suis quand même en Wallonie, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que c'est un spray protecteur pour quand on sèche ses cheveux ou quand on fait le lisseur, etc. Ou le boucleur. Et ça protège jusqu'à 230 degrés. Voilà, il est extra strong. Et je crois que c'est nouveau de chez Sayos. Et il coûte 4,90 €. Voilà. J'ai évidemment encore des petites choses. J'ai pris une colo parce que, bon, pour toutes celles qui connaissent, hein, en Belgique, bien entendu, j'étais à Wavre, au Dreamland. Et à côté, donc, il y a le Aldi, il y a. Un truc, je ne sais plus. Et le magasin Xtra, que je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, hein, qui s'appelait le Discount. Et j'ai pris une petite coloration au rouge rubis. En fait, je l'ai déjà prise plusieurs fois avant chez Kruidvat, etc. Elle coûte pas très cher, moins de 6 €. Mais par contre, ici, où ce sont les nouvelles boîtes ou les anciennes, ou la je sais pas, oui, c'est en néerlandais là aussi. Enfin, genre, j'ai la version française avec, hein, mais. Bonne question. En fait, quand on regarde juste la tête de la bonne femme, quoique là je trouve que ça ressort peut-être bien la caméra, mais quand je la regarde ici, ça ressort roux. Or, rouge, la rouge rubis, à moins que malheureusement ils aient changé, là je suis dans le caca, elle est pas
rousse. C'est rouge. D'ailleurs, quand on voit à l'arrière, c'est quand même un peu plus rouge. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je la connais cette colo, c'est identiquement la même à part la couleur des cheveux de la bonne femme. Je me dis, c'est pas grave, je vais la prendre. Et donc, c'était une histoire de 5 euros et quelque chose. Chez Kruidvat, oui, j'ai 2-3 trucs, et tout est mélangé. J'ai pris, alors je sais pas si c'est un nouveau déo, en tout cas c'est une édition limitée, donc à mon avis il est nouveau. Sans celle d'aluminium, c'est le Fa Frozen Delight à la pêche. Voilà, et il était à 1,50€ seulement. Je sens pas mauvais, mais je sais pas s'il y avait pas le un truc comme framboise, je sais pas quoi. J'ai pris aussi, normalement il y en a un deuxième, qui traîne dans un des sacs. C'est le Ultra Last Lip Liner. Donc un crayon à lèvres et ici j'ai le, bah c'est le 01 Lavender Blender. Ouais, ou lavande, je sais pas. J'allais dire il est collé. Ouais peut-être. J'aime beaucoup la couleur. Je sais pas si ça ressortira bien, mais j'aime beaucoup. Et ça, ça coûte moins de 2 euros. Donc, on peut demander de plus. Chez Action, parce que là j'ai 2-3 petites choses vite faites. Enfin vite faites. Vite fait à vous montrer. C'est un petit mix de 7. Ouais. De 7 washi tape. Ils appellent ça. Moi, j'appelle ça simplement du scotch décoré. Hein. Bref. Ça coûte même moins d'un euro. Hein. Donc c'est ceux-ci. Ils sont chouettes. J'ai trouvé des petites boucles d'oreilles. Comme ça. Toutes mignonnes. Ou dans les blanches. Enfin, ce sont des petites étoiles. À reflets un peu multicolores et les noirs en fait ce sont des petites perles noires dedans, donc je sais pas si vous pourrez bien voir, et elles coûtaient 69 centimes, c'est moins d'un euro, donc tout va bien. Ça c'était chez Trafic et ça fait un moment que je l'ai, mais je l'ai tout de suite emballé, donc voilà. Il y a plusieurs sortes et il y en a même chez Pomelo aussi, les produits Cottage. D'accord, j'ai même fait une trace noire dessus, c'est pas grave. Et ici, j'ai pris celui à la guimauve. Qui sent super bon. Je vais enfin pouvoir l'utiliser d'ailleurs. Chez Yves Rocher, j'avais une petite carte cadeau. Ouais, mais j'ai rien d'autre. Et j'ai été me chercher le nouveau gel douche pamplemousse et teint. Donc j'ai pris le format 200 ml hein, parce que c'est très bien, j'en ai déjà eu plus, j'en ai plusieurs hein, comme ça encore. J'ai encore un mangue coriandre, je sais plus quoi. Donc je préfère les prendre format comme ça. Ainsi j'en profite bien et je peux changer régulièrement. Et j'ai eu en cadeau en fait, c'est un avant-soleil. Et je baille. C'est foutu. Ah, je suis foutue, c'est une brume sublimante. Voilà. Des trucs après soleil, je connaissais. Avant soleil, je connaissais absolument pas. Tout va bien. Je teste. Chez Kruidvat, encore. Et ça, je l'ai racheté une deuxième fois. Parce que franchement, il est bien joli. Et à ce prix-là, je me suis dit, pourquoi pas. C'est le Glow Highlighter Prismatic Rainbow. De chez Essence, donc c'est les fameux voilà, highlighter en arc-en-ciel. Et franchement, il est plutôt pas mal, j'aime bien. C'est à la fois discret, évidemment là on voit que dalle, ça commence un peu à s'assombrir. C'est pas grave, il est à la fois discret mais à la fois quand même voyant, je trouve. Enfin, ça fait pas boule à facettes, mais on voit qu'on en a mis un. C'est le 10 Be a Unicorn. Et écoute, moins de 3 euros je crois, ou 3 euros et quelques, c'est jamais très très cher, donc généralement le prix je zappe. Ensuite j'étais chez Di et je me suis prise une pochette. Ils avaient des pochettes, mais au final je suis un petit peu déçue, mais bon c'est ça la surprise. C'est juste dommage qu'on n'avait pas 5 euros hein, au lieu de 12, bon. Mais il y a un produit dedans qui au final rattrape très bien ce qu'il y a, donc c'est sympa. Alors ici, parce que j'ai lu que la moitié, je crois que c'était un petit truc pour décorer. En fait c'est pas seulement décoratif, c'est désodorisant. Ce sont les petits, enfin on dit les sapins là à pendre.
Sauf qu'ici, il fait 3D. On assemble les deux, trois parties. Ah ouais, trois parties carrément. Et en fait, c'est un ananas. Voilà ce que j'ai reçu dedans. J'ai reçu encore une, mais ça peut toujours servir. C'est les petites capes pour quand on fait les colos, mettre autour des épaules. C'est foutu, je baille. Désolée, pourtant j'ai bien dormi. C'est toujours sympa. J'en avais déjà reçu une et elle me sert beaucoup chaque fois que je fais les colos. Ensuite, j'ai reçu un petit bracelet tout mignon. Tout mignon. Allez. Bon, ça c'était offert à l'achat de je ne sais pas quoi. Et c'est là. C'est Eugène Perma. Eugène Perma, non, c'est pas des colos. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Mais voilà. Il est sympa. Il fera ce qu'il fera. Voilà. C'est toujours sympa. Un petit bijou, un petit en plus, du petit brol en plus. J'ai reçu un petit paquet. Et ça, c'est pas des échantillons parce que ça se vend. Les petits formats. Ah si, c'est un échantillon gratuit celui-là. Pourtant, j'en ai déjà vu des comme ça. Des mini paquets. C'est bizarre. Bref, ce sont des petites lingettes intimes. Donc rafraîchissantes et qui peuvent se jeter dans les toilettes. Voilà. J'ai eu aussi d'autres petites lingettes, mais celle-là c'est pas pareil, c'est pour les mains ou le visage. 10 mini lingettes à la cerise. Voilà. Un petit paquet est tout mignon. Hop. J'ai eu aussi des échantillons. Deux échantillons du shampoing citrus de Petrolane pour les pellicules. Deux petits échantillons d'huile de massage à l'arnica de chez Weleda et. C'est une crème pour les mains, ça. Ouais. Une crème protectrice. Protective, ouais. Pour les mains. Bien hydratante. Voilà, de la marque Almaca. Hop. Ça, j'en ai déjà reçu plusieurs aussi. Hey, toi bien. J'ai eu un petit vernis. La couleur. Ça fait un peu caca. Et encore. Un mini Sinful Color. Alors, j'aime bien ce vernis, mais. Je sais pas, pour le coup, la couleur. J'ai un petit peu de mal. J'en ai eu un autre. Qui est un Jewel. Non. Ah non, c'est Jewel Effect et c'est un Leila. Je connais pas. Alors, je vais avoir un petit peu de mal aussi parce que c'est vert. Ce sont des paillettes vertes. C'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top, je trouve. Mais bon, on verra bien. Alors ici, bah, c'est pas perdu parce que j'utilise ça, donc ça fait mon stock. J'ai eu un petit format de la laque à lunettes. Voilà, c'est la Volume Excess. Toujours bien, c'est 3 €, 3,50 € en magasin ça. Et alors, bah, ici, je sais pas si c'est nouveau. C'est L'Oréal Air Expertise. C'est un shampoing pour cheveux fragiles, donc c'est pas mal. Une formule respectueuse sans sulfate, enrichie en huile botanique. Voilà, donc je crois qu'il coûte quand même bien, bien plus cher ces shampoings-là. Donc c'est ceci. Je crois que j'ai vu une fois vite fait, mais sans plus. Voilà. Donc ça, c'est pour la pochette surprise. Alors, j'en peux plus. Il y a trop et à chaque fois j'attends et on fait le cycle de déménagement. C'est pas mieux, mais la vidéo elle va durer 3 plombes. J'ai acheté ici chez Zigzag aussi. Mais je l'ai pété, enfin le plastoc. C'est des mini pots, c'est pour faire pousser des petites choses. Et ici c'est pour faire de la citronnelle. Ouais. Et de la menthe crépue. Ah bon, pourtant, Spearmint, je crois que c'était la menthe poivrée. Non, Peppermint. Oh, en douille. Menthe poivrée. Ah. Menthe crépue, de la menthe, voilà. Et ça coûtait 2,50 €. Voilà. Pour faire pousser. Et bon, bien évidemment, à mettre dans des pots bien plus gros pour après. Hein, on met pas ça dans un dé à poudre, c'est normal. J'ai aussi trouvé. Un pasta, enfin un pasta, ouais, non. Un livre pasta magique de la marque, enfin des éditions
Marabout, j'aime beaucoup ce livre-là. Et au lieu de 8,95€, je l'ai eu pour... Je me suis dit pour le prix, allons-y bien, un petit livre encore en plus. C'est pas... J'en fais pas de mal. Ensuite, j'étais juste faire un petit tour chez Tape à l'œil pour le petit bonhomme. Et j'ai trouvé un petit t-shirt bien sympa. Je lui ai pris que ça parce qu'au final, il a quand même pas mal de vêtements. Ça sert à rien d'acheter 50 000 bazars. Bah, je sais pas, il m'a bien plu. Il était vraiment pas cher, 3,99€. Un petit peu fluo, bien peps pour le soleil. Voilà. Et un chemin pour sourire aujourd'hui. Smile Day. Pff, je sais même plus. Mais voilà. Je l'aime bien, il est sympa. Hop. Voilà, j'ai encore mis les choses dedans. Je me suis racheté. Alors celui-là, je l'avais pas encore. Non, je l'avais pas encore testé. Un shampoing sec et j'ai repris un Baptiste parce qu'au final, bon, il n'était pas très très cher celui-là, je sais pas pourquoi, c'était le moins cher. Les autres sont plus élevés. C'est floral et féminin. On verra bien parce que j'ai testé le tropical, le cerise et ici je suis en train de terminer celui... Je sais plus s'il fait... enfin, s'il a un truc particulier, mais c'est celui où... C'est un motif léopard dessus. Parce que je l'avais eu moitié prix, un truc comme ça carrément. Avec la carte de chez Kruidvat. Et j'ai pris celui-ci. Nous verrons bien. À la grande récré, quand je suis passée avec le bonhomme, je suis tombée sur cette mini tirelire. C'est plus objet de déco. Il était carrément à 60%. Je l'ai eu pour 2 euros quelque chose. Je crois, c'est les Funky Beer. Ouais. En fait, c'est ça. J'ai mis LOL dessus avec derrière Laughing Out Loud. Loud, ouais. Petit tirelire, moi, ce sera un petit objet de déco. Là, c'est tout bête. C'était sympa pour le prix. Allez. Alors, ça, je ne sais pas si ce sont de nouveaux produits. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir de les avoir vus. Ou alors, j'ai encore une fois regardé un pas plus loin que le bout de mon nez. C'est un masque capillaire Oil and Rescue. Voilà. Qui, évidemment, c'est pour les cheveux très abîmés. À sec. Et c'est une formule triple action. Voilà. Structure du cheveu améliorée. Souplesse et brillance intense. Donc, de la marque Kruidvat. Donc, c'était moins de 2 euros ou à peine 2 euros. C'était vraiment pas très cher. J'ai créé de vat encore. Au final, je sais même pas si ça va aller porter, mais je me suis dit, tiens, printemps, été, on va mettre une fois une autre petite couleur sympathique. J'ai pris un petit vernis essence et c'est le 95 Vibrant. On va le dire bien français. Vibrant Purple. Voilà. Et ah, je trouve qu'il ressort assez bien à la caméra. Ça donne la bonne couleur, à peu près, ouais. Voilà, ensuite j'ai eu, si vous me suivez sur Instagram, ouais, je l'ai posté, ça fait quelques semaines maintenant, avec un magazine Flair, vous aviez un bon à remplir. Donc, il fallait d'abord aller du coup sur un site qui vous donnait votre code promo unique, je présume, sinon tout le monde pourrait le faire presque, pour aller chercher dans une boutique le fond de teint Pure Light, donc le coussin de teint aérien. Voilà, donc j'ai été le chercher, mais je crois que j'avais été le chercher. J'ai pas pris ça. Non, j'ai été le chercher avec le gel douche que je vous ai montré là au pamplemousse. Voilà, et si. Non, petite boutique à 5 minutes de chez moi. En fait, c'est un Ludorama. C'est. J'ai envie d'un. C'est un mélange de trucs. On peut y acheter des figurines de collection, on peut y acheter des posters Star Wars, machin. On peut acheter des magazines, des bouquins. Ça fait office de librairie avec tout truc de déco, petits cadeaux. Et ils ont un petit stand, mais ils se vident tout doucement de bougies, etc. Et moi, j'ai pris celle-ci, c'est la dernière. Enfin, c'était la dernière, carrément. C'était la cerise noire gourmande. Oh là 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 là. J'ai envie de croquer dedans, quoi.
En fait, c'est une bête bougie. C'est une bête petite bougie comme ça. Et c'était 2 euros. Mais je me dis que, bon sang, si elle sent aussi bon allumée qu'elle ne sent comme ça, oh, aïe, 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 ça va être une tuerie. Franchement, ça sent vraiment super bon. C'est pas une odeur très très chimique, donc c'est nickel. Ensuite, j'ai été faire un tour chez Lush. C'est le truc qui m'a ruiné. Il y a des petits bouts qui tombent. Je me suis prise, d'ailleurs, je vais tenter de le tester aujourd'hui parce que c'est resté dans l'emballage. Voilà, ça fait une semaine que ça y est. Je suis vraiment désolée. C'est plus fort que moi, j'arrive même pas à me retenir. Je bâille comme une dingue. J'ai acheté un shampoing solide qui est le Soak and Float. Ouais. Ah, alors je sais même plus ce qu'il fait. Ah, normalement, c'est pour les cheveux gras. J'ai pris. Je sais même plus, c'est une honte. Je ne sais plus. J'ai pris celui-ci et j'ai pris la petite boîte pour aller avec parce que bon, bah, je trouve ça plus propre. Je veux pas le laisser traîner. Hein. C'est un petit peu comme si je laissais mon pain là, grand ouvert et vas-y, sers-toi quand t'as besoin. Hein. C'est dégueulasse. Donc, les petites boîtes. Et j'ai pris alors celui-là. J'ai envie de dire, entre guillemets, c'était pas vraiment donné, mais c'est du produit naturel. Donc, personnellement, je préfère aller acheter un produit cher qui vient de chez Lush. Il veut pas rester. Qui vient de chez Lush, où justement, c'est pas testé sur les animaux, ce sont de bons produits, etc. Que payer un produit bien cher où ça ne respecte absolument pas l'environnement, etc. Donc, c'est un soin parfumé après shampoing. Voilà, pour les cheveux divinement doux et parfumés. On verra bien. Et en fait, je sais plus si j'ai noté. Bref, normalement, je peux le rincer ou le laisser. Donc, ce sera à voir. Et alors, j'ai reçu. Voilà, un échantillon. Je ne sais même plus ce que c'est. C'est le rose argan. Ou de source. Il faudrait que je regarde parce que voilà, à chaque fois. Je zappe totalement ce que c'est. Mais bon, comme d'habitude, super contente de chez Lush. Voilà. J'ai acheté. Et... Mais c'est aussi chez Flying Tiger, ça. Non, Flying Tiger. Chez Zigzag. Ou chez Flying Tiger. Chez Zigzag. Parce que j'ai le ticket encore à l'intérieur. Voilà. Avec le mix de graines, j'ai acheté des pots de fleurs. 3 pots de fleurs pour 2 euros. Comme ça, j'ai tout. Je n'aurais qu'à aller chercher de la terre pour les remplir. Parce que ce qu'il y a pour les mini pots, non, franchement, j'ai pas assez. J'ai pris, voilà, ça fait partie aussi d'un bon plan. Ça va tourner à balle cette vidéo. Ça fait partie des bons plans. Et ça, je sais pas si encore, c'est ça le problème. Mais c'est pas la première fois qu'il y a. Donc, il y a peut-être des chances d'en avoir. C'est les extensions. Je les ai déjà en couleur prune. Mais ça fait un moment que je les ai, donc je sais pas si je vous les avais montrées ou pas. Ce sont les extensions Frank Provost. Voilà, en collaboration avec son frère. Il y a 6 bandes. Ça peut résister, donc on peut les laver et c'est adapté pour les appareils chauffants jusqu'à 170 degrés. Donc elles sont quand même pas mal, j'ai envie de dire que c'est un peu semi-synthétique. Enfin, semi, oui, synthétique, donc si c'est semi-synthétique, c'est semi-vrai aussi. 56 cm de long, donc ce sont les extensions, voilà, qui à la base, moi, la première fois que je les ai achetées, enfin, mon premier paquet, je l'ai payé 30 euros. Après, ça va, hein, c'est pas des prix exorbitants. Mais bon, quand je vois qu'ici, il était soldé déjà à 15 euros et j'ai encore eu 50% dessus chez Cruidvat. Donc, je les ai payés 7,50 euros. Les autres, je les avais payés 30, quoi, donc... Ici, donc j'ai pris les noirs. Voilà, c'est le prune irisé. Parce que bon, c'est une petite gamme. Hein. Il y a le blond platine, le blond naturel, le châtain doré, le brun profond. Donc, ça, à la limite, c'est ce que je devrais prendre à la base des bases pour moi parce que c'est ma couleur. Moi, j'ai le prune irisé et ici, c'est le noir intense. Parce que de toute façon, je pense que si je ne fais plus de color rouge à un moment donné, je vais me retourner vers le noir parce que c'est ce que j'aime beaucoup. Et que bah voilà, j'aurai des extensions. Et quand même, je dois les donner ou je dois pas les mettre. Ça me fait moins mal au ventre à 7,50 euros.
40 €. J'ai aussi acheté chez Action, hein, tout est mélangé. Ceci. Voilà, bon, ok. Ah, c'est pour ceux qui préfèrent les cacahuètes ou les chips. Ce petit plat comme ça, ce petit ouais, présentoir, hein, je veux dire. Qui m'a coûté 2 € chez Action, qui fait 12 cm sur 12 avec sa petite planche en bambou. Voilà. Moi, bon, je mets bien en fait. Et j'ai voulu ça, pourquoi? Bah, bêtement, même si on veut mettre des cacahuètes sur la table, mais déjà, pour quand je fais des pâtes, pour mettre le fromage râpé dedans, le fromage, enfin, ou parmesan, ou n'importe quoi, pour mettre le fromage dedans. Alors pourquoi? Parce qu'on est de bons barbares, entre guillemets, hein, on pioche dans le paquet comme ça et on se met notre fromage râpé sur nos pâtes. Parce que c'est mignon, parce que ça coûtait pas cher, c'est chez Action, donc on se dit pourquoi pas. Donc voilà, j'en avais pas forcément l'utilité, mais je vais trouver une utilité. Voilà, j'étais chez Undies. Là, j'ai craqué. J'ai craqué, mais ça va, puisqu'il y avait des promotions. Donc c'est ça qui est très bien. J'ai eu des promotions. Je me suis prise. Je sais pas, cette bougie sent bon dans tout mon truc. Le petit pull. Voilà. Au final, je l'avais vu, mais il me le fallait. Voilà. Ariel est ma BFF. Voilà. Donc ça se passe de commentaires, hein, mais il est super doux en tout cas. J'ai pris parce que je les avais déjà repris, mais vu qu'il y a eu 30% aussi là-dessus, parce que le Ariel j'ai déjà porté, donc j'ai plus l'étiquette. Je sais même plus combien il coûtait. Je me suis repris cette petite paire de chaussettes qui normalement coûtait 3,95 €. Voilà, j'ai reprise. Ne me demandez pas pourquoi. Je crois qu'au fond de moi, je ne sais même pas moi-même, mais c'est pas grave. J'ai pris ici, mais je l'ai détaché, mais il était carrément à 50% celui-là. Ouais. Je me suis prise un nouveau soutien-gorge. Je vais vous montrer, c'est un noir tout simple. Mais le petit détail, je sais pas qui m'a plu, qui m'a donné envie de le prendre parce que ça changeait. Évidemment, je sais. Ah, oh, ça donne comme ça ouais, sur le mur derrière. Et un petit détail, voilà. Devant. C'est ça qui m'a donné envie de le prendre. Par contre, Undies à Louvain-la-Neuve. enlever les antivols. Parce qu'on m'avait laissé l'antivol sur le soutif. Évidemment, la partie bien dentelle, hein, où c'était un trou, c'est foutu. Et quand j'ai voulu le mettre. Eh ben, j'ai vu l'antivol. Donc, heureusement qu'on a de bonnes pinces coupantes assez fines pour l'enlever. Parce que je suis sortie du magasin, j'ai pas sonné. Donc, j'ai envie de dire, j'aurais pu voler, ce n'est pas grave. Je suis rentrée dans d'autres magasins, j'ai pas sonné non plus. Sinon, je l'aurais remarqué et je serais repartie. Mais... voilà. Donc, je suis partie avec un antivol en cadeau. J'avais 50% là-dessus. Le petit haut, tout bête, hein, un petit basique comme ça, un train à la maison, n'importe quoi, dormir. Voilà, un petit peu couleur pêche claire, ouais, avec des petits boutons. Donc il coûtait déjà que 7 € là-bas, donc voilà. Hop. Hop. Ça, je vous l'ai montré sur Instagram. Je l'avais eu pour 3 €, 5 €. Franchement, trois fois rien. C'est un gros livre de coloriage. Mais pour colorier le make-up. Ben oui. Pourquoi je vais prendre comme tout le monde? Enfin, même si j'en ai des comme tout le monde aussi. Mais quand j'en vois différents, voilà. J'ai aussi acheté... j'ai même pas encore lu. Hein, tout est là, donc voilà. Le petit bouquin de Andy, enfin de Andy raconte, hein, la youtubeuse là, qui a même participé sur Secret Story 1, ouais, je crois, je sais plus trop, c'est Princesse 2.0 en fait. C'est le format pocket qui m'a coûté 7 €, donc c'est le livre d'une fille qui parle de trucs des filles, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être marrant. Il y a des petites images sympathiques, des petites... voilà, je sais pas, je me suis dit que ça avait l'air chouette. On verra bien. Voilà. Ça pèse. Ah, 3 tonnes.
J'ai acheté aussi, ouais, je me suis acheté 2-3 produits, soins pour les cheveux ces dernières semaines. Ici, bah, c'est justement, voilà, c'est le l'huile extraordinaire. Et c'est le masque baume. 6 huiles de fleurs, nutrition et discipline pour les cheveux secs. Voilà, de chez L'Oréal. Et il était pas si cher que ça, celui-là, je trouve. Je crois qu'il était à 6 euros et qu'il y en avait d'autres plus chers. Donc voilà. Chez Action, je m'étais acheté des brosses à dents. Parce que j'en ai qui sont encore paumées dans une caisse. Parce qu'il me reste encore 2-3 petites caisses parce qu'il nous manque un meuble ou deux. Et donc je trouvais pas ma brosse à dents, donc j'ai racheté un paquet chez Action, ce sont les Colgate. Il y en a 4, c'est des médiums. Ça fait 2-3 fois que je prends celle-là, c'est bien. Et donc celle qui manque, c'est la rose. C'était 1 € et quelques, elles sont pas chères. J'ai pris pour une fois, voilà, un spray pour les textiles, voilà, désodorisant textile, aux fruits exotiques de Chambi Pur, chez Action. Qui coûtait moins de 3 €. Qui sont super bons. Voilà, c'est pas le truc que j'achète tout le temps hein, parce que c'est des trucs de synthèse. Pour moi, c'est pas naturel, mais de temps en temps, je trouve que ça sent bon. Voilà. J'ai racheté une fois de plus mes patchs pour le point noir. Hein. Ça n'a rien de montrer 50 000 fois. Je me suis pris aussi la citronnelle, l'énergie fraîche antitranspirant, 48 heures de Nivea. Chez Action, je ne le connaissais absolument pas. J'ai testé une fois, ils sont bien bons. Parce qu'on a été quand même chez Ikea, déjà chercher quelques meubles. Ça sent bon. Et chez Ikea, il y a les bougies, machin. Et je me suis prise 2 bougies, qui étaient à 1 €. 1 € et quelques. Franchement, moins de 2 €, je crois. Ce sont des 30, de 25 heures. Et j'ai le... Bah, je sais pas, en fait. Parce qu'elle porte le même nom. Ça, c'est le lila, voilà. Ah, lila, ça sent super bon. Donc, c'est comme ça, toute simple. Et pomme cannelle. La pomme cannelle, elle est sympa. Elle me fait penser un petit peu aux bougies de Noël. Pomme cannelle que je trouve chez Lidl. À voir. J'ai aussi... J'attrape le reste. Racheté une petite paire d'écouteurs en rouge. Les Grundig. Qui sont bien, mais je les prise au cas où parce qu'en rouge elle peut aller à n'importe qui de nous trois. Donc si jamais quelqu'un a besoin d'écouteurs, c'est pas des roses, c'est des rouges, donc tout va bien. Et j'ai pris aussi, d'ailleurs j'ai pas la brosse à dents, mais je lui ai pris une petite brosse à dents sympa aussi. Je dois prendre maintenant, forcément il a pour le petit. Des dentifrices, où c'est les 7-13 ans, etc. Hein, c'est ce qu'il lui faut. Et donc ici, bah, ce sont ceux que je trouve, c'est les signales. Lapin crétin. Pff, ils sont marrants. Et ça, je les trouve chez... ici, je les trouvais dans mon petit carrefour. Mais d'habitude, je les achète chez Extra. Et j'ai acheté aussi de la marque Essence. C'est le Rainbow, voilà, highlighter de la gamme Blossom Dreams. Mais le problème, c'est que il est beaucoup plus clair et il se voit vraiment vraiment moins. Mais bon, c'est pas grave, je l'utiliserai quand même. J'ai acheté, là c'est Glitter in the Air. C'est un strobing blush et highlighter powder. Alors en tant qu'highlight, c'est plus que discret, c'est à peine pour dire voilà j'en ai mis. On verra bien, je prends une fois carrément un maquillage et on verra. Et ensuite pour terminer, ça c'était chez Kruidvat aussi. Il était déjà soldé à 7,50 €. Et j'ai encore eu 50% dessus, c'est un vernis Essie, c'est le 301. Et il est mis Jay-Z Jubilant. Donc avec plein de paillettes. Pour 3 €, ou 3,50 €. Non pas 3,50 €, aussi 3,50 €. 3,75 € même, vu que c'était 7,50 €. Voilà. Je ne sais plus. Et on arrive enfin à la fin, parce que je sais pas, j'ai l'impression que je vais tomber endormi. J'ai été à Maison du Monde. Ah, mais qu'est-ce que j'ai bien pris. Évidemment, là, je sais pas, j'ai un petit peu craqué. Pas non plus énorme, parce que franchement, c'est des prix où
Voilà, hein, ça vous la coupe, mais il y a quelques petites choses que voilà. Alors j'ai pris, il y en aura un, ce sera pour mettre sur ma table de maquillage, et l'autre à chaque fois sur la petite table de salon, parce que bon, bah c'est Ikea, hein, et on n'a pas acheté non plus la qualité de ouf, on a pris une simple petite table comme ça, et donc j'ai pris, coûte 1,39€, donc ça va, c'est relativement correct comparé à d'autres magasins, hein, on va pas comparer l'action, mais bon, un petit set de table, voilà, Pina Colada. Il est trop mignon celui-là. Et j'ai pris, d'ailleurs j'ai le petit plateau comme ça que j'avais déjà acheté il y a un moment. Aussi 1,39€. C'est, voilà, celui-là. Hop. Pas de bruit. J'ai pris, et ça je l'ai mis, je viens de le mettre sur Instagram. Donc c'est un, enfin oui, là en français ils ont mis un semainier. Oui, moi je dis un plein heure de 55 pages, donc il y a carrément pour toute l'année. Et donc il se présente comme ça. Bon, ça par contre c'était 7€. Ah bon, après c'est un truc qui me fait une année, donc j'ai envie de dire ma main agenda, il y en a des plus chers, donc ça va. Il se présente comme ça. Il est super, moi, donc du lundi au vendredi. On a le week-end, et là c'est une petite note spécifique, hein, oublie pas ci ou ça. Donc voilà. J'ai aussi, j'ai repris un petit aimant pour mettre sur le frigo. Alors celui-là il était à 1,99€, mais j'aime bien. Voilà, un petit ananas comme ça, tout mignon, tout beau. Et j'ai pris la, oh, la deuxième, j'ai envie de dire, oui, la deuxième. L'autre sorte, une petite pomme comme ça. Alors moi, et encore, elle est un petit peu mate, mais j'en ai une couleur rose gold comme ça, mais mate. Et ici, elle a les deux couleurs en brillant. J'aime bien. Et ça va, c'est 4€, ça, hein, un petit objet de déco bien sympa. Et pas trop cher. Voilà. Et pour terminer... Ici j'ai pris, je me dis que ce sera pour ranger de petites boucles d'oreilles parce que à la fin ça commence à traîner partout. C'est 1,29€. C'est une petite boîte comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, de deux côtés, voilà, c'est des petits motifs comme ça. Et alors, pour terminer, parce que ça faisait franchement des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, qu'elle me faisait de l'œil, je l'avais déjà vu sur internet, tout. Et au final, bah, je me la suis prise. C'est la fameuse, enfin la fameuse, j'ai envie de dire, la tasse cupcake, quoi. Voilà. Toute mignonne comme ça. Et bon, bah, elle coûtait 6,99€. Après, pareil, hein, je la casse pas. Bah, c'est une tasse, je peux la garder toute ma vie, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'était le petit craquage à Maison du Monde, après encore assez raisonnable. Et encore, j'ai pas fait ça en une fois, j'ai été deux fois. Ouais, quelques semaines d'intervalle, hein, ça va, j'ai pas tout fait d'un coup. Donc voilà, c'est enfin terminé. Je sais même pas combien la vidéo a duré. Parce que j'ai un truc qui, à chaque fois, je sais pas pourquoi, au bout de X minutes, ça se coupe, ça prend. Enfin, on voit pas la coupure, mais ça me fait des vidéos différentes. Donc ici, je suis à 3 minutes. Mais je crois que. Franchement, il y a une bonne grosse demi-heure de passer. C'est une horreur. Bref, il est temps que je vous laisse. Parce que vous allez me détester. Donc, je vous fais plein de bisous. Si jamais vous avez une autre question ou quoi, si j'ai des trucs promo, etc., n'hésitez pas. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.